gros même bris, petit même bris. Eh bien, gang qui fait kidnapping en Haïti, et c'est Wall Street Journal qui broke news là en premier, et ensuite l'autre média pral rapporté, évidemment, qui est elle pral parler dans l'autre média tout, qui est elle, c'est ministre intérieur pays d'Haïti. Hein? Eh bien, c'est 17 millions de dollars, vet, yo mandé, gonne qui tap mandé si yé goud, comment goud la zamb, yo de 17 millions de dollars, Haïti fait dollars, papa. Eh bien, FBI et la police haïtienne, yo en contact avec goud gang nan, et donc, il y a travail pour libération otage sa yo, victime sa yo, donc 17 otages là, il y a 5 là d'ailleurs, c'est Timondo. Wanda Cross, qui lui-même fait en Haïti, et qui a une famille, donc t'es adopté aux États-Unis, et c'est lui-même, il mette dans photo, article ça, que il a publié. Eh bien, gang 400 Marozo, qui enlevé un groupe missionnaire américain et canadien, yo mandé 1 million de dollars pour chaque grain moun yo, au total 17 millions de dollars, selon ça, un gros tonton responsable haïtien déclaré by journal là. Responsable ça, c'est ministre justice là, que relé Liz Kittel. Il déclaré que FBI qui c'est bureau fédéral d'investigation, c'est-à-dire la police fédérale aux États-Unis, qui présent en Haïti, et la police haïtienne, yo en contact avec ravisseur yo, et a demandé donc libération missionnaire yo, que yo enlevé week-end dernier à l'extérieur capitale là, nous connaissons dans zone, donc quoi des bouquets, et gang qui fait ça, c'est gang yo relé 400 Marozo. Parmi missionnaires yo, selon ça, M. Kittel, qui c'est double ministre en Haïti, ministre justice et ministre de l'Intérieur, précisé, eh bien, gagne 5-6 moun là-dedans yo. M'ta parlé de Timoun 2 ans, mais c'est pas ça le dit lui-même. Li dit gen un bébé qui gen 8 mois. C'est Liz Kittel qui a parlé. Li dit gen un lot Timoun qui gen 3 ans. Li dit gen un lot Timoun qui gen 6 ans. Gen un lot Timoun qui gen 14 ans. Gen un lot Timoun qui gen 15 ans. Pas oublier les médias américains, t'as parlé de Timoun qui gen 2 ans. Eh ben, m'ba konti ça qui gen 2 ans, ou gen les 3 ans le fin gen. Donc c'est Liz Kittel qui parle. Pas oublier Liz Kittel, c'est autorité pays d'Haïti. C'est-à-dire, information, bah, là, sont informations officielles. C'est-à-dire, m'a dit information vraie ou fausse, non. Moi, dit information officielle. Donc, l'important pour nous faire différence, ça. C'est-à-dire, m'a dit rien, moi, dit qui vérité ou pas vérité. Moi, je dis, c'est une information officielle. Parce que, moun ki ba ilia, lui, c'est ministre intérieur et ministre justice, il y a deux portefeuilles ministériels dans le gouvernement. En fait, après Ariel Henry, c'est l'homme le plus puissant du pays. Et ça, ça veut dire. Liz Kittel dit, donc, il y a un bébé qui a 8 mois. Et l'autre timoun yo, gen yon ki gen 3 ans, gen yon ki gen 6 ans, gen yon ki gen 14 ans, gen yon tout ki gen 15 ans. Donc c'est des mineurs, selon la loi haïtienne, selon la loi américaine, tout. Président Biden t'es informé de situation bien bonnet, et nous songeons hier lundi, ya, Jen Psaki, qui lui-même c'est porte-parole administration Biden, t'es expliqué que FBI a aidé responsable haïtien ou enquêté sous enlèvement hein, et a tenté négocier libération moun sa yo. Il était expliqué que FBI fait partie de un effort coordonné gouvernement américain hein, pour mettre citoyens américains sa yo en sécurité. Monsieur Kittel, alors non Kittel arrivé tant pile, pas bien Kittel m'a dit nous c'est ministre justice donc chef de la police a eu contre l'Ilié, ministre de l'Intérieur, donc il contrôlait appareil sécurité pays. C'est ça que je veux dire. Mais c'est qui t'a déclaré que négociation est capable de prendre des semaines. Alors, bah, ça, nous avons le temps depuis devant, gagner des mouns aux États-Unis qui vont bien. Comment c'est qui t'a dit négociation est capable de prendre des semaines? C'est qui t'a dit que les pensées américaines, même Javel, yo ont eu Monsieur Kittel est un radoteur. Alors, pas de COVID, mouté volume, mouté. Mais c'est qui tel, non? Moi, je dis, nous, le bat de parler, j'ai l'albalé, yo. Mais c'est qui tel, c'est un radoteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que les négociations vont durer des semaines? Donc, tu es ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice. Donc, tu te prépares à ce que les négociations durent des semaines. Parce que vous croyez que la patience des gens n'a aucune limite. C'est-à-dire, famille, moun, ça, même, yo, bah, pas besoin qui m'aime, moun, yo. Monsieur Kittel, excusez, c'est Kittel. Moi-même, pas de salos, papa, on va à salos, blonde, pas. En tout cas, famille, moun, ça, y a plein de coups à salos, t'as collé tout quand même. Donc, monsieur Kittel déclaré,
que négociation ça yo capable prendre des semaines. Il des semaines, il a dit semaine dans au pluriel. C'est à dire capable prendre plus que 7 jours, au moins 14 jours. S'il dit des semaines au moins 2. OK, c'est monsieur Kitel qui a parlé. Bah moi même non, moi même tout le monde connaît Donna parler Kitel. N'a essayé pour nous faire libérer moun sa yo sans nous pas payer rançon. C'est ça monsieur Kitel dit. C'est premier plan d'action nous. Mais n'a honnête. Lè nou bayo l'agent ça, l'agent ça pral utiliser pour acheter plus d'armes et plus munitions selon ça Kitel dit. Kitel tout qui dit que autorité haïtienne yo a cherché un résultat similaire à ça qui est arrivé là où t'es enlevé début avril yon groupe de prêtres catholiques et des religieuses catholiques et c'est même gang nan t'es enlevé moun sa yo. Alors gen deux informations que Kitel gèlè pa kon vin nan ba live la, si gen fanatique Kitel nan ba live la, ba l'information sa yo. Di monsieur américain ou pas français, di monsieur américain ou c'est protestant ou pas catholique. Oui oui, ça veut tout dire mon frère. Di monsieur américain ou pas français. Oui oui, il pa gen même niveau dialogue et patience français yo et di monsieur tout protestant ou pas catholique. OK? Catholique la zaman, l'el mouri, il dit ah mon cher ou pral béatifier. C'est-à-dire ouais père catholique là, il va tellement gè problème tellement trop zaman. Parce qu'il connaît zaman c'est béatifier, il va vin saint dans l'église. Mais qui protestant zaman, il va envie aller. Et protestant aux États-Unis. Dans sud pays États-Unis zaman c'est au gè blizzam. Pas chercher pas guérir. On met sous la Bible à pédé au prier. Mais on connaît c'est œil pour œil dent pour dent lié, on l'autre met sous revolver et donc il pare pour faire balle. À moins d'accasser pour mettre sirop. Donc on m'a dit monsieur, moun yo kidnappé c'est protestant ou pas catholique. Donc monsieur au moins comprendre et a dit monsieur c'est américain ou et tout, c'est pas français oui. Donc monsieur a comprendre patience dans même niveau. Et bien, qui t'a précisé que gagne 5 prêtres donc deux là-dedans c'était religieuse et 3 c'était proche moun ça été libéré donc nan fin crise ça. Et bien, il dit rançon mon gèlè c'est pour deux moun seulement ou gèlè t'pi. Alors son gèlè pas de payer pour deux prêtres yo. C'est ça me dépenser. Li dit donc c'est ta meilleur résultat possible là. Et bien monsieur Kitel déclaré que missionnaire ça yo qui c'est membre ça relé CAM qui c'est Christian Aid Ministries qui basé dans Ohio yo détenu yo en dehors quoi des bouquets. Et c'est gang 400 Marozo a qui kembe yo, et c'est pratiquement tout près côté ou t'enlevé yo. Enlèvement dans pays a pour dans pays ça qui c'est pays plus pauvre qui gagne dans continent ça c'est journal la k'ap parlé et bagay ça multiplié le bondi ces derniers mois au milieu de ça journal la expliqué que c'est un chaos politique après assassinat président Jovenel Moïse. Elle expliquait que gang yo contrôlé yon parti qui a augmenté, yon parti croissante dans pays ya, et qui sont pays qui chroniquement instable, qui toujours instable, instabilité à son bagay qui pas piti en Haïti. Et bien Port-au-Prince te campé hier lundi ya, et Port-au-Prince tout te campé jeudi mardi ya, dans quatre grèves que des groupes syndicats te annoncé pour yon protester contre insécurité ya. Changer MEU qui a la tête yon nan syndicat qui te convoqué grève là. Li dit donc si premier ministre pa ka résoudre problème pa nou, ke premier ministre la gipiel, ke la gicha, nou vle ke insécurité a camp en Haïti ki enlèvement campé. Journal la explique nou que gang sa ke rele 400 Marozo. Li de plus en plus tourné vers enlèvement contre rançon ces derniers mois et si dit nou, c'est probablement gang ki pi puissant ki gagne dans le pays à l'heure actuelle. Marozo donc c'est gang ça qui a dans bloc quoi des bouquets à contrôler zone ça et ben c'est yo même qui réaliser opération ça. Organisation enlever moun boulia, c'est organisation caritative chrétienne donc cap fait don organisation de charité qui t'est fondée par des moun qui c'est des Ménonites et des Amish
Et bien, moun sa ou di, yap suivre de très très près situation en Haïti et yap continue prier pour Colonio. Wanda Kwos, li même qui gen 24 ans, qui a vive dans Minerva, Ohio, et bien, li même, c'est en Haïti yote adopté le tout. Elle dit donc son bagay qui très très triste. L'elle gade sa famille, les chrétiens ou vin en Haïti, généralement yon adopté ti jeune haïtien, ti jeune haïtienne, notamment sa parent yon vle ki te yon adopté ou bien sa pa gen parent tout, donc ici des orphelins. En tout cas, donc Christian Aid Ministry, lui même, te commencé depuis l'année 98 yo, a voué aide avec don en Haïti, dans zone Nicaragua tout. Donc c'est un bagay, c'est une organisation qui est très très présent depuis bien longtemps dans le pays. Mais kounya m bezwen nou tande un petit parti ça. Petit parti m bezwen nou tande ya. C'est parti député américain, sénateur américain qui a pompé et autre chose, gouvernement américain qui dit lui-même parole paye a pa pou li. Et pa yo même yo pa paye rançon. Alors ça veut dire que famille moun yo pa ka paye non? Ça veut dire tout simplement que gouvernement américain en lui-même pas répondre pour le payer. Eh bien, sénateur Sherrod Brown, avec député Dave Joyce, eh bien, yo même tout yo t'a parlé de causer kidnapping ça en Haïti. Pas oublier, moi dis nous, c'est 17 millions que gang, bandits criminels, assassins que aurait les 400 marozo yo, mandé. Alors, tendez, ti extrait ça, moun qui va comprendre, m'a traduit pour nous par la suite. J'ai l'impression que les gros plots qui pas blogué. Monsieur, est-ce que tout plot nous yon blogué? Son pas sorti côté pas m'nan. Son pas sorti non côté pas m'nan. Ok, m'a prendre l'autre côté. D'accord, m'a essayer prendre son l'autre côté pour m'connaître. Mais son pas sorti côté pas m'nan. Ok. Hello, Don. Don n'a pas technicien, non? Don n'a pas fait manœuvre quand même. Oh, oh, Don, ton Don. Dans tous les pays, dis moi. Oui, oui. Oh, ça passe, là. Non, 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 non. Allez, qui dit, sont choisis? Non, son en passe aussi dans le bloc. Non, n'a pas besoin de l'autre genre. Pas de problème. Il y a des manières artisanales. Artisanales. Alors, nous parlons de sénateur Sherrod Brown, qui lui-même c'est sénateur Ohio aux États-Unis. N'a pas de manière artisanale. Oh, donne non vivant lié. N'a pas quand même. It's a tragedy always. They were there as missionaries to help people. Ohio Senator Sherrod Brown says his office is working with the State Department to help rescue an Ohio-based group of missionaries that were kidnapped in Haiti on Saturday. Fortunately, our diplomats know how to deal with situations like this with a minimum of violence. Ohio Congressman Dave Joyce is calling on the State Department to do everything it can to bring the 16 American missionaries home. Attacks like this prove that we must remain committed to the safety and the security of Americans abroad. The gang is demanding $1 million ransom for each hostage, but the White House says the U.S. does not pay ransoms because that could encourage future kidnappings. We know these groups target U.S. citizens who they assume have the resources and finances to pay ransoms, even if that is not the case. White House Press Secretary Jen Psaki says U.S. officials are on the hunt to locate the missionaries. The FBI is a part of a coordinated U.S. government effort to get the U.S. citizens involved to safety. The State Department is now warning Americans not to travel to Haiti. Due to kidnapping, crime, civil unrest, and of course, COVID-19. For Americans already in Haiti, the State Department is warning them not to travel at night or alone. Reporting in Washington, Rashad Hudson. Donc, sénateur député dans zone nord,
Di moun yo se aide yo tape de mes amis. Donc que gouvernement organisé là avec babli et gouvernement haïtien ça lié gouvernement américain alors Ariel Henry c'est États-Unis metel. Oui oui. Pour la rêver qu'on dit grand moun yo. Pour la rêver babli Ariel Henry côté lié à c'est gouvernement haïtien lié mais c'est États-Unis metel. C'est-à-dire pas tape là si États-Unis pas de besoin monsieur là. Ça y toute la lase même c'est États-Unis qui veut là. Et si États-Unis pas veut là matin massivo depuis hier soir le patap là. Ça dit voilà prétendre le patap faire état. Moun qui faire état c'est moun yo même qui va gagner bon numéro mais moun tant que monsieur Sali même il va faire état dit tout. Donc moun tant que monsieur patap faire état du tout. Donc il t'a gagné la guerre. Donc de pourtant de Ariel Henry là toujours. Eh bien, Ariel Henry qui l'a toujours, parce que les États-Unis veulent là. OK. Qu'on y a mis ça Blinken, dit nous. Eh bien, Blinken, c'est l'agence Reuters qui expliquait nous que le secrétaire d'État américain Tony Blinken déclaré, je ne jeudi, que l'enlèvement, ça, aux actes kidnapping, ça, au gain en Haïti, eh bien, ces preuves sont révélateurs, il a dit, que la situation sécuritaire pays a son bagage qui est insoutenable. Alors Blinken nous va connait sous connait ça n'a pas ça depuis longtemps oui Blinken ou peut-être pas attendre. Eh bien, il dit nous-mêmes l'administration nous rete concentré sans relâche sous dossier ça. Donc gouvernement américain rappelé tacitement que lui-même il pas répondre donc pour le payer, il pas dans parole, payer rançon pour moun que yo kidnappé. Donc, koun ya, pas oublier sa djen sa ki expliqué, non? Et donc, les moun yo wè américain, yo konne gen kob, yo suspect gen kob, yo pense gen kob, mais c'est pas vrai, non? Oui, bon, tout préciser que c'est pas vrai. Donc, yo même yo pas négocier avec moun ki kidnappé américain yo, pour yo ka jwenn l'argent pour yo ba yo, parce que donc, si yo fait ça, c'est augmenter ou pral augmenter problème moun yo. Oui, c'est augmenter donc, yo pral augmenter problème pa yo. Songez principe là, yo gagne en pile citoyen américain en Haïti. Pa gen moyen pour mettre ton police en sécurité derrière nous tout à l'heure, on sait la sécurité tek nan batifi tout. Chercher. Pa gen tout possibilité pour ta mande tout tourner. Parce que gen mari avec haïtien gen mari avec haïtienne parce que chéré non pas guéré qui donc sous comment c'est payé ça qu'arrive en même que kounya au lieu de résoudre un problème c'est meto vinn mettre sous problème qui gagne dans qui sens parce que kounya nèg la dit ah mon cher États-Unis bay kob bon chercher prend au détroit encore donc pour éviter ça li pas dans intérêt l'état américain pour l'État américain baille l'argent avec groupe extrémiste ou bien avec groupe méchant qui ou même a kidnappé missionnaire américain ou bien l'autre américain. Combien américains en Haïti? Nous, chaque qui en bas la vie là aux États-Unis, nous avons un passeport américain. Et bien, nous avons passeport américain, ça fait des ou américains, oui. Nous, chaque qui en bas la vie là, qui gagne un passeport américain. Ça veut dire qui ça? Taï techniquement sont américains sous gen passeport pays États-Unis dans monde. Donc ou sont américains. Ça y soit non entièrement matant ou en Haïti ou kidnappé son citoyen américain ou kidnappé. Qu'on y a fait calcul là, nous gen au moins presque 2 millions haïtiens aux États-Unis, probablement gon 400 500000 qui gen passeport américain dans main yo. Majorité moun nan classe moyenne en Haïti ou bien classe bourgeoisie en Haïti, c'est aux États-Unis ou vin accoucher petit yo. Petit ça qui donc gen passeport américain. Qui c'est donc des citoyens américains. Donc, on va déplacer tout, on va retirer tout. Même si on demande des Américains pas aller en Haïti, mais catégorie qui là. Gon catégorie qui là. Catégorie qui là, qui soit favel. Donc, on va retirer. L'autre dit, maman, pour Américain pas arrêter. Mais maman, lui-même, c'est visa le gain. Puis, c'est qu'il y a ça Américain, mais lui-même, visa le gain. Si moun nan son timoun 2 mois, son timoun 3 mois. Cherchez l'erreur. Mais il n'y a pas d'erreur, mon frère. Il n'y a aucune erreur de la phrase. Li gon ti moun 2 mois namen. Li gon ti moun 3 mois namen. Ou même wap chèche irè. Mais irè a pou ki sa? Pa gen irè blode. Non, pa gen irè. Donc li baka fè sa. Et ben l pa ka fè, l pa d'accord paye.
et techniquement vrai ou pas capable. Kou nya gang 400 Marozo gon mauvais réputation. Ki mauvais réputation gang 400 Marozo gen? Gang 400 Marozo gon réputation qui dit que yo même yo extrêmement violent, yo extrêmement criminel. Et yo kon menacé pour yo touye moun. Alors, n'est en bonne explication déjà. L'homme au 100 jours parle de 100 jours lui-même. Ça nous c'était sous ça. Mais l'autre partie a ou même qui famille moun yo, ou pas besoin d'en prendre chance. Alors, ça qui fait moi expliquer nous tout à l'heure, déclaration Liz Kittel là, son déclaration qu'on j'ai enragé. Liz Kittel pas ta kalagel comme ça. Non, non. Liz Kittel pas kalagel comme ça. On va parler de négociation qui a duré plusieurs semaines. Évidemment, même s'il a duré plusieurs semaines, c'est pas ou même qui pour dili. C'est pas ou même qui pour dili blodeur. Ou pas. Vas-y, mon Dieu. Puis d'homme dit ça, puis d'homme quitter ça, ça m'a dit, ça m'a dit. Donc, moi, espérer que l'autorité haïtienne, yo, ap capable de gérer bagay ça avec le plus grand sérieux. Parce que m'a pas l'impression que yo très sérieux dans le dossier. M'a pas l'impression que yo très sérieux dans le dossier. Alors, Ariel, vous m'avez dit que ou là parce que Biden vlo là. Donc, vous avez intérêt à gérer ça bien. Pour Biden, pas de problème, pour le tout monde, vous êtes gratis, vous avez suite phrase. Vous n'avez pas besoin de répéter. Donc, vous êtes gratis, vous avez une suite phrase. Si vous avez un petit monde qui a 8 mois là-dedans, si vous avez un petit monde qui a 8 mois là-dedans, vous n'avez pas besoin. Si vous avez un petit 3 ans, vous n'avez pas besoin de non? Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de retourner dans vous n'avez pas besoin de yo pa ka nan ferita, yo pa ka retan dan vil. Cherche yre, mais still pa gen yre. Pa gen yre non? Kounya, an pose bon question. Et question sa m'te pose l'hier. Madame Jensa ki te fon piwet. Il va forcément répondre, mais il te fon piwet. Il t'a expliqué. Bon, attendez, non. Pas vin ba nou problème, non, papa. Pas vin ba nou problème. Nous-mêmes, nous va répondre à question ça. Question ça, c'est question pour ministère de défense, pays États-Unis, donc pour Pentagone, puisque c'est Pentagone qui est responsable parole opération. Donc, yo-même, yo pas dans opération. C'est Pentagone qui est responsable parole opération. Donc, pour moun qui demande, est-ce que États-Unis gen plan, voyez, force spéciale en Haïti pour aller libérer otage. Jensa qui c'est porte-parole Maison Blanche. Donc il dit question ça il t'a pi adapté pour t'a poser question ça avec donc qui est avec moun qui dans ministère défense pays États-Unis. Alors pas dire même pas répondre tout si y a faux opération c'est pas ça l'osioé opération t'a dû réaliser donc dans le plus grand secret. Mais de toutes les manières, c'est compliqué. On d'opération de ce type, gen un seul monde qui capable bay l'ordre faire une opération. On t'a dit pour porter secours à Otayo, c'est Joe Biden lui-même parce que son bagay qui politiquement on t'a dit très sensible. On mette mou ça pour ne pas mettre plus mou. Son bagay qui politiquement très sensible. Même si était vrai, information qui tel bayo, l'homme ministre intérieur, si yon situation kote gen la vie moun ki en jeu, li pa nécessaire pour parler à elle. Moi même, m'ap fè réserve du lieu où je me trouve, qui sont micro kap informé. Donc, sous ministre intérieur, l'angou va cap traîner. Ça, c'est un. Deuxième chose. M'baka ministre intérieur, même si m'ta gen tactique de négociation, technique de négociation, pour m'y tal broadcaster live pour tout le monde. Pour m'di m'pare pour des semaines de négociation. Donc, négociation a fait des semaines. Il va même pare pour m'pare. Non, on t'a toujours préparé pour n'importe année négociation s'il le faut. Bon, baka le dit négociation a fait des semaines. Gade ki sodia
qui est fait, l'a fait sous parent victime yo, sous proche victime yo. Gardez qui est fait ça fait. Paolo dit ya, sous proche victime yo, sous moun qui victime yo. Mais ce n'est pas très sérieux de répéter quelque chose comme ça. Et dans parole enlèvement, tout expert en enlèvement dit ça. Premier jour, yo, c'est des bagages qui crucial yo yé dans dossier enlèvement. Premier jour. That message obtained by CNN. The message reportedly from one of the 17 missionaries kidnapped in Haiti. It reads, "Please pray for us. We're being harassed, kidnapped currently. They have control of our vehicle with about 15 Americans right now, ladies, men, and children." He then said they're near Gantier, the place a source in Haiti's security forces confirms is where the group was abducted, 12 adults along with 5 children, according to Christian Aid Ministries. And we're learning more about the gang who may be behind the crime, our source saying it's the 400 Mawozo gang, one of, if not the most powerful in the country, its dozens of members with a distinct hallmark, kidnapping. Mm-hmm. Nearly a year ago, the gang's alleged leader said, "Me, I work. I'm a gangster. I carry weapons. While I'm in a gang, I have guns. I don't carry weapons to terrorize. Carrying weapons doesn't make me a gangster or a bandit." Several miles down that road there is where our source in the Haitian security forces says this kidnapping was carried out. And in a more normal situation, we would drive several miles down that road and go see exactly where this took place. But following the advice of both our Haitian producer and our security team, we're not going to go any further than this because they say it's not safe. Down that road is the suburb of Kwadibouke, which is essentially completely controlled by the 400 Mozawo gang, the gang that authorities say carried out this kidnapping. That gang and others have terrorized Haiti for years, with kidnappings exploding since January, according to a human rights nonprofit based in Port-au-Prince. Foreigners get the attention, but it's ordinary Haitians that are the vast majority of kidnapping victims, data from the organization shows. This man says kidnappings here have been happening for so long. Why did no one talk about it then? Why is the world making such a big deal about foreigners? It's because they're more important. On Monday, Haitians across the capital region took advantage of the renewed attention by staying home. Schools and businesses and transport services shut down, normally packed Port-au-Prince streets empty. It was a quiet form of protest, people demanding safety and security from a government in turmoil. Nobody is safe, says this man. Even normal people going out to buy food get kidnapped. It's even worse for someone in a car. There is so much fear in the country, even people living outside the country are afraid to come back. Donc ça c'était Matt Rivers qui t'a fait reportage là pour CNN et l'expliquer nous dans fin reportage là que lui même lui va traverser pont papa. Donc lui même lui c'est grand timon, lui pas traverser pont pour qu'il ça va traverser pont et puis passer service sécurité le dit bon l'autre bois son état indépendant lui. Alors c'est moi qui était indépendant pour état. Donc, bon, l'autre bois est indépendant. Donc, il va traverser dans l'autre bois qui est indépendant. Vous voulez qu'il dise comment bon, l'autre bois est indépendant? Bon, l'autre bois est indépendant. Oh, par contre, bon, l'autre bois est indépendant? Ah, vous, cherchez les rêves. Eh ben, bon, il y a les rêves ensemble. Si autorité l'État n'est pas arrivé à faire, vous faites l'autre bois. Il est indépendant ensemble. Qui chante pour monter indépendant? Alors, Anthony Blinken lui-même, les États-Unis, a fait tout ça possible pour libérer missionnaires américains et canadiens. Que gang 400 Mawozo sa kidnappé. Les mêmes qui t'a parlé en direct de Quito. Quito, c'est en Équateur. Côté Anthony Blinken, qui c'est ministre des Affaires étrangères, pays États-Unis, trouvé-le. Donc, les mêmes qui dit donc, nous concentrons-nous sans relâche sous question ça. N'a fait tout ça possible pour aider à résoudre situation ça. Il précisait que donc, équipe FBI qui sous place là, a travaillé sous dossier, hein. Donc, gang armé haïtien qui fait ça, c'est gang 400 Mawozo qui fait. Eh bien, zami pam, bas pam, colonne. Moi, nous pas moun pour ça, nous pas moun kap chèche yre, pa gen yre. Alors, grève générale là en Haïti tout, sous insécurité, ya. Eh bien, médias internationaux de après les puis ont montré que donc haïtien yo, yo extrêmement en colère devant sa aurélie, incurie, autorité haïtienne yo. Pas oublier non, grève là fait 2 jours. Autorité gouvernement même pété ou pas pété ba nous senti. Il va parler cause grève là même. Autorité haïtienne yo et m'a connait qui ça. Bon, yo dans grève mentale. OK, on est qui désime ça.
on leur dit Haïti, autorité haïtienne en grève mentale. Voilà. Autorité haïtienne a fait grève mentale. Ça a les grève mentale là, ça a dit ou yo retire cerveau et met caca calbas là dedans. Ça dit grève mentale ça a fait. Ça dit même yo déconnecté. Autorité haïtienne yo même yo déconnecté. Yo non grève mentale, yo retire ça que dans cerveau à matière grise là et ben kounya yo met caca calbas là dedans. Donc autorité haïtienne yo même c'est grève ça a fait. Donc tout le monde dans grève pa yo. Oui oui, donc tout le monde nan grève pa yo, donc autorité haïtienne c'est grève ça fait eux même. On grève normal. Grève normal qui normal. Oui, yo retiré bay qui te compte faire réflexion dans cerveau. Dans cerveau yo et yo mettons l'autre bagaille. Oui, yo metti on l'autre causé, yo metti on l'autre bagaille. Eh bien écoutez, comment ça t'y est? Donc TV5 Monde qui t'a parlé donc de situation en Haïti, alors faut dire Haïti tout côté. Samedi encore, 16 Américains et un des rues désertes, des écoles, des commerces et des administrations fermées. À Port-au-Prince, l'appel à la grève générale et illimitée a été particulièrement suivi. Une grève pour dénoncer l'incurie des autorités face aux gangs criminels qui gangrènent Haïti. Les enlèvements contre rançon explosent, plus de 600 cas recensés depuis le début de l'année. Samedi encore, 16 Américains et un Canadien, des missionnaires avec leur famille, ont ainsi été kidnappés dans la banlieue de Port-au-Prince. Mais les Haïtiens sont bien les premières victimes. Il faut combattre l'insécurité, les kidnappings dans le pays. Nous sommes dans l'insécurité sur tous les plans, financiers, économiques, alimentaires. Ils nous mettent dans une position de normalisation de l'insécurité. Nous ne pouvons pas continuer dans une situation comme ça. Deux Haïtiens sur cinq vivent en haute insécurité alimentaire. Le pays, parmi les plus pauvres du monde, est régulièrement victime des ouragans et des séismes. Le tremblement de terre du 14 août a fait plus de 2200 morts et des milliers de blessés. L'ONU est dépassée. Non seulement l'insécurité grandissante entrave la réponse humanitaire, mais elle crée de nouveaux besoins humanitaires. Depuis juin, la violence des gangs à Port-au-Prince a déplacé au moins 19 000 personnes et affecté plus d'1,5 million de femmes, d'hommes et d'enfants. Une profonde crise politique paralyse depuis plusieurs années le développement économique et l'assassinat en juillet du président Jovenel Moïse par un commando armé dans sa résidence privée a plongé encore davantage le pays dans l'incertitude. Dossier Haïti a libre la rue et les dossiers prend la rue tout si vous nous avez. Ça dit en Batinalov là c'est gardé à regarder en Batinalov. Sinalov, debout chercher gars au chita puis ouvert, il y a que doit regarder bon. Et bien, son bagay consacré, tenez Merlin Ulysse, son bagay consacré, Tina Love. Donc, tout moun net, c'est en bas de Haïti à regarder. Parce que Haïti marche pied ouvri. De pour marcher pied ouvri. Donc, tout moun net a cherché, garde en bas, ou tout moun net a regardé. C'est pas dans bouche moins. N'ap tende. C'est pas dans bouche moins tout, n'ap compren. Que autorité haïtienne yo semble même mesurer yo pas mesurer désastre que yo même yo la donne nan non yo pas mesurer yo pas mesurer yo pas comprendre ni yo pas mesurer yo pas comprendre ni pa ici yo te comprendre bon gade on ti plaisanterie mais son plaisanterie pays a fait deux jours bloqué l'état participer dans grève là. Donc on savait dire même dit l'état participe dans grève là. C'est-à-dire bureau l'état yo tout yo même tout yo t'est fermé. Oui oui, bureau l'état Haïti yo, bureau yo t'est fermé tout pour grève qui gagne. M'par contre si nous prenons samedi a, la grève longtemps. L'état mette bis dans la rue pour le faire mon alparet dans la pour la grève. Et bien année ça, deux jours de grève ça yo, bureau l'état yo participer là-dedans tout. Yo même tout yo fermé porte yo respecter mon d'autre grève là. C'est la Zibiro l'État yo, non seulement d'accord que le pays a gagné sécurité, et bien tout, yo manifesté tout côté sécurité qui a gagné dans le pays. Nous pas chercher à gagner rêve l'autre pam. Donc, Biro l'État yo, manifesté tout, appuyé avec grève qui a gagné dans la capitale là, avec insécurité qui a gagné dans la capitale là. Donc, Biro l'État yo, ou le pays a pas gagné sécurité là-dedans. Nous pas chercher à gagner rêve. Et c'est dans CBS Morning, que nous prenons l'autre parole, et bien dans CBS Morning, nous prenons l'autre parole.
working with local authorities. Now to the desperate efforts to free a group of missionaries who are being held for ransom in Haiti. FBI agents are working with local authorities to find the 16 Americans and one Canadian who were kidnapped on Saturday. The Wall Street Journal says a Haitian gang now wants $17 million for their release. That's $1 million each for every victim. This abduction happened just outside the capital city of Port-au-Prince. Manuel Bohorquez is there with more on the story. Manuel, good morning to you. Good morning, Gail. Haiti's justice minister is the one saying that the gang is demanding $1 million each for the release of those 17 missionaries. That's according to that Wall Street Journal report. A source close to the gang told us that the kidnapped children are growing increasingly frustrated, crying and refusing to eat. Kounia, mes nouvelles y'a pas aux États-Unis. Eh bien, si moun yo, qui ont kidnappé à ces petits blancs, yo, yo pas kon ti quoi des bouquets, yo pas kon ti misé. Si moun yo re les petits blancs, yo pas re les petits misé, yo pas re les petits quoi des bouquets. Eh bien, si moun sa yo, commence frustré. Donc, là, yo commence frustré, yo pas vle manger, c'est crié, ap crié. Pas oublier nos 400 marozo, c'est pas hôtel lien. 400 marozo, c'est dans rage, pratiquement à vivre. Si moun yo, c'est si moun qui sorti dans le luxe, papa. C'est si moun qui toilette dans toilette hygiénique. Ça a dit bah ti moun maman qui va lager boum doum boum doum gonna que le sacré les boum doum demande tina mais tina l'offre va le sacré les boum doum non l'offre là gon baga ou tande son ça sacré les boum doum ah ou pas de compte moi bon je vais aller vendre yo nos amam l'o la gon ba ou tande boum doum oui boum doum boum doum boum doum oui oui et ben ti moun ça ou ça mais ti moun qui déjà hygiénique c'est ti moun k'ap mande oui oui qui côté papier ayé c'est ti moun k'ap chercher wipes ou ça me dou là et ben 400 marozo pas arrivé dans le niveau éclairé ça. 400 marozo pas arrivé éclairé ça. Éclairé by wipes. Ouais, ça me dit là, tu vas aider bien ça. 400 marozo pas connaître. Alors 400 marozo, ça va passer là en l'église. Oui, ça passe là, nettoyer l'église. Ça va aller faire, chercher les dieux utiles. 400 marozo que nous apprenons wipes là, papa, il passe là en l'église là. Oh, bon, si il bouche moi, on va y blanc, papa. Si il bouche moi, il connaît, il connaît. Quand tu fais qu'on wipes. Isabella Wiz. Isabella ou skap la gye toile en bas live là. Comment 400 marozo fait qu'on wipes? Si pas qu'on wipes. En tout cas, Isabella ou skap baye toile en bas live là. Bravo pour vous. Pas oublier, étoile là sur l'élément très important de la politique du live. Ok? Donc Isabella ou bravo, kap la gye toile en bas live là. Pas oublier, live là, mais apaisement tout. Et étoile là, c'est l'apaisement live là. En tout cas, étoile là, c'est l'apaisement. Un bon live, son live qui gagne apaisement. On live qui grand pile étoile, c'est ça ça veut dire. En tout cas, Isabella Wiz, mettons en l'air, ou c'est grand étoile live là. Eh bien, Isabella Wiz, pin Isabella pour moi. Oui, ben font ti garder en bas Isabella, font ti pin Isabella pour moi, Isabella. De on t-shirté ça oui. Fimi Kaonabo, Fimi en prison. Ah Isabella, et quelques mois, il fut embarqué pour l'Espagne, il disparut avec le bateau qui le portait. Ouais, les hommes pour battre l'école, les amis, ça m'a dit là, on battre l'école, sous l'école, on t'a connait en avance blodé. For every victim, this abduction happened just outside the capital city of Port-au-Prince. Manuel Bohorquez is there with more on the story. Manuel, good morning to you. Good morning, Gail. Haiti's justice minister is the one saying that the gang is demanding $1 million each for the release of those 17 missionaries. That's according to that Wall Street Journal report. A source close to the gang told us that the kidnapped children are growing increasingly frustrated, crying and refusing to eat. Haitians took to the streets of Port-au-Prince Monday to protest their government's response to the country's multiple crises, including a surge in violent kidnappings, a deadly earthquake, and the assassination of their president. This comes days after authorities believe a violent gang known as 400 Mawozo abducted 17 missionaries from an Ohio-based Christian aid organization. There is so much frustration in the streets here. These Haitians come out pretty much every day to protest the dire political and economic situation. And the poverty creates a fertile breeding ground for the gangs. So many young men without jobs who can be easily recruited. A family of five from Oceana, Michigan is among the Americans kidnapped. Todd Dooling is the pastor at a local church there. To have it hit that close to home is extremely heartbreaking. But what about the other families? Linda works with children in Haiti. She asked we not mention her last name for fear of retaliation. She says the children have a special prayer before leaving the house. Mommy Linda, please pray that we will be invisible and so that when we walk the streets, we won't be taken.
Mamelin da di, ti moun yo te gon priye spécial yo te fè. Anvan yo te kite kaila. Maman Linda, s'il vous plaît, priez pour nous. Le nap soti dans la ria, puis yon va kidnapper nous. Alors, semble prier ça, qu'elle est pas de corriver, ou bien prier ça, qu'elle était mal faite, ou bien bon Dieu te gagné, décennie, dans situation. Donc, malheureusement, ça arrive pour Timoun sa yo. Alors, faut nous comprendre la réalité, ya. C'est le Timoun, même sous-tendé, gagné mission qu'à l'en Haïti. Petite missionnaire, ou j'vois petit tout malheuré dans matin. Bot, gon structure. Jean-Marc Alexandre qui a dit, là, Jean-Marc Alexandre. Oui, oui. Moi-même, avec Jean-Marc Alexandre, nous connaissons bien, puisque mission qu'on a le cas Jean-Marc Alexandre, et c'est mission qui sorti dans la zone ça, type de mission ça, oui. Moi-même, moi, t'es Réma Petit, t'es responsable mission, hein. Je suis capable que mon même là, on vient en Haïti. Côté, on vient en s'en dehors. Mais en dehors, avant, on vient, on commence à une équipe, si étape, qui existait. C'est-à-dire, les abeilles de l'eau a toujours vidé sous tête, yo. C'est pas prendre un petit bouquet de balancer lié. Les obras l'ont fait besoin, yo. C'est pas vide boum lié. Et toujours, il y a un manger normal que vous venez, vous joignez, vous fonctionnez. Et généralement, la cour, mission ça, yo, y'a, c'est gros, gros tonton la cour. Même sous tant de nos zones qui sont zones très, très reculées. Mais mission, hein, fait la part des chevaux. Par exemple, je dis, par contre, si nous, ouais, manifestation, on a titan 1. Manifestation faite pour demander libération moun sa yo. Moi, moi, qu'on a le nom camp pour protestant. Alors, grand moun moui protestant, oui, oui, yon va aller dans le carnaval, yon va aller dans le carnaval dans le camp. Espace côté camp sa fête là, c'est pratiquement un pays indépendant qui gagne toute structure possible et imaginable du beau et du luxe. La donne. C'est-à-dire, si jeune sa yo, même si vous avez 3, 4, 5, 6, 7 ans, là vous venez en Haïti, dans matin, vous jouez à tout le monde. Vous avez un sale corps pour tout le monde. Mais vous n'avez pas dormi dans le chalet. Vous n'avez pas dormi grand goût. Vous n'avez pas dormi dans le maringouin qui a mangé forcément. Et pas oublier non. Vous n'avez pas sorti. Comme quoi vous pensez que vous allez kidnapper. C'est-à-dire que vous n'avez pas sorti avec Tiba et puis vous passez sous le corps. Ça va vous dire que vous êtes sorti avec un pile pompez. Pas que vous avez un pile pompez, blodé. Sou pa répond pèse ou a saisi ou a ki problème ou rien. Lò gen ti moun jan vò toujours gen wap sta pou si rezan mam. Mais moun nan, l'ap soti avec un ti paquet. Parce que le konnen, ah, m'ap soti, là, m'ba le fè inet dan de yo, m'ba le fè deset dan de yo, m'ba le fè troiset dan de yo. Il va soti pou plizye jou. Alè sa ki fè mwen mwen de kite l rap pale plizye se men nan. Est-ce que kite l pose tèt li question? Nan ki condition moun yo e? Est-ce que gen nan moun yo ki malade? Est-ce que gen ki gen tension? Est-ce que gen ki diabétique? Est-ce que gen li nécessaire Isabella Wiz? Grand étoile comme à live là, qui besoin médicament yo? Parce que en pile fois, l'homme a une situation, c'est pas dans ou dit pesé, parce qu'on pas comprendre réalité ya. On moun qui gen diabète, li oblige prendre médicament à chaque fois la manje ya, ou bien deux fois par jour. L'el d'absolu, c'est la sortie à médicament, il te mange déjà. Il te mange en dedans. Cherchez l'erreur, mais il n'y a pas d'erreur. Si c'est moun qui te sous insuline, côté insuline yon, parce que pile fois nous pas poser tête nous bon question yo. Donc moun yo yo pas forcément carré tant plusieurs semaines, yo pas préparé mentalement pour ça. Le a voyon moun en Irak, yo voye moun ki pi strong yo en Irak parce que yo konne Irak ça rentre dans ris pays. Donc mentalement, nèg ki pral en Irak la konne le relati bébé. Et mentalement, il était préparé pour ça tout. Si ça t'a arrivé, il va venir en Irak, il va venir en Afghanistan. Son organisation qui a travaillé souterrain pendant longtemps. Ils ont fait 9 mois campé. Je parle de CME, Christian Aid à l'OCAM. Je parle de CAM, qui compagnie, même si compagnie, et mission en relais, Christian Aid Ministry. Eh bien, ils ont même, ils allaient en Haïti, ils ont campé dans le moment de manifestation. Ça, c'est le monde qui va préparer pour Tchobol. Dans le moment de pays, dans le moment de manifestation, ils ont campé, ils ont fait 9 mois campé. Donc, ils ont fini reprendre là, et c'est pendant qu'ils reprennent là, donc ils ont fini dans le problème ça. Ça dit mentalement, c'est pas moun Isabella Wiz qui était forcément préparé pour ti bail comme ça et ou pas vraiment d'autres moun 3 ans, 5 ans, 14 ans pour le préparer pour kidnapping. That's unfair. C'est pas normal, c'est pas possible. Donc fonctionnement nous la cougnage en masse, c'est un paquet de problèmes que le représenter pour moun sa yo et m'pa besoin parler nous, nous même sorti dans yon entre dans l'autre, nous dans CNN, mal dans CBS, si m'te vle m'ra tomber dans ABC. C'est-à-dire nous entraver parce que tout le monde a parlé de nous et m'a assuré nous c'est ma belle tigation a dit nous belle tigation même j'adonne non
OK, oui, gonna qui dit Donesco bel tigason. Bon, moi cap parler de tête même tout bel tigason ça gagne encore. Jared Mawozo abducted 17 missionaries from an Ohio-based Christian aid organization. There is so much frustration in the streets here. These Haitians come out pretty much every day to protest the dire political and economic situation. And the poverty creates a fertile breeding ground for the gangs. So many young men without jobs who can be easily recruited. A family of five from Oceana, Michigan is among the Americans kidnapped. Todd Dooling is the pastor at a local church there. To have it hit that close to home is extremely heartbreaking. But what about the other families? Linda works with children in Haiti. She asked we not mention her last name for fear of retaliation. She says the children have a special prayer before leaving the house. Mommy Linda, please pray that we will be invisible. And so that when we walk the streets, we won't be taken. And yet they are. Meanwhile, FBI tactical teams are in Port-au-Prince, assisting with negotiating the safe return of the American and Canadian missionaries. James Galliano is a former special agent with the FBI's hostage rescue team. You're trying to do two things at the same time: maintain open lines of communication and prepare for the worst. If, God forbid, you know, hostages are being killed or they're threatening to execute hostages, that you do have an assault team, that you have information is close enough that you can place them to actually do conduct a rescue. Just to underscore the poverty at the root of all of this, Linda told us that when her organization in the past has had to negotiate with the gangs here, the number one thing they ask for is food. Tony? En tout cas, papa, this is Haiti. This is Haiti. Pas cherché, pas gagné. Ça n'a fait, ça me connaît un reportage. Don Belly Josilus, cap la gué toi en bas live là. Est-ce qu'on ouait dans quelle situation que nous trouvons, nous, journée jeudi, hein? Alors, faut me dire nous kidnapping n'est pas qu'on y a là. Kidnapping nan Don Belly Josilus, son bagay, ki la, kap maspine nou, depi pratiquement m'da ka di, 3 ans, volume nan bien haut, et se gros bout de volume nan pren depi pratiquement 3 ans la, depi pratiquement 3 ans la Don Belly Josilus, kidnapping nan se gros bout de volume seulement nan pren la den. Sa yi se koto vi ou pren, se koto ou pren, koto mari ou pren, Don Belly Josilus. Mais, Américain yo, Don Belly Josilus, jusqu'à Kounia, yo te pratiquement off limit. C'est-à-dire, gang yo, te bay Américain yo, on ti pose. Yo bat jam rive réellement sous Américain, parce que yo connaît qui sa États-Unis représente, donc yo pa vle gen problème avec États-Unis. Yo tap fèl à l'intérieur, donc yo tap manye haïtien. Mais gang yo rele 400 Mawozo à lui-même, gèlè, lui-même li pa konn blanc, li pa konn noir, li pa konn grem, li pa konn marron, yo te kidnappé français, et mais kounya se tombé ou tombé sous des moun qui se des Américains, gang 400 Mawozo, que États-Unis dit, c'est gang donc qui pi puissant, qui yen nan brin. Donc, gang 400 Mawozo, en place donc, a cherché takeover, probablement là, sous Genève là, Genève en famille en allié. Now to the very latest on the efforts to free those 17 missionaries being held hostage by a Haitian gang. The FBI and other U.S. officials are now on the ground there. And overnight, there's a report the kidnappers are demanding $17 million for the group's release. NBC's Sam Brock joins us with more now. Hey, Sam, good morning. Hoda, good morning. $1 million per person, according to the Wall Street Journal. The justice minister in Haiti also saying this situation... Alors, la kouyam na NBC avec nous. Ah, il dit nous dans toute la ria. Dans toute la ria nous, oui, oui, même Jatina Love, derrière nous, derrière et petit blonde a regardé derrière nous. Même Jatina Love, derrière nous, derrière et petit blonde a regardé derrière nous. Eh, quand il y a dans NBC, je CNN, passer prend CBS quand il y a dans NBC. OK, oui, oui. Nous derrière là et petit blonde a regardé. Joins us with more now. Hey Sam, good morning.
Hoda, good morning. $1 million per person, according to the Wall Street Journal. The justice minister in Haiti also saying this situation could take weeks to resolve as we learn more information about the reported ages of the kids being held hostage. Overnight, a major request for ransom. The Wall Street Journal, citing Haiti's justice minister, reporting the gang responsible for the kidnappings wants $1 million per person. That's $17 million total. The justice minister also telling the journal that the five children kidnapped include an eight-month-old baby, and the other kids were 3, 6, 14, and 15 years old. The FBI and State Department have both dispatched teams to Haiti, with White House officials keeping any potential plans to free the 17 people, nearly all Americans, under wraps. The president has been briefed and is receiving regular updates. Due to operational considerations, we're not going to go into too much detail. The kidnapping by a notorious gang, putting a sharper focus on Haiti, a country ravaged by extreme poverty, political instability, and natural disasters. Protesters in Miami calling on the U.S. to stop deporting Haitians. The U.S. has pledged money and training for Haitian police forces, though by one study, kidnappings have jumped 300% in 3 months. Dr. Richard Frechette, who runs a hospital in Port-au-Prince, telling us by phone he has to negotiate with gangs to get oxygen for COVID patients inside. Sometimes we have real hair-raising days, facing shortages. You can imagine, if we have 65 patients, 40 will be dead in an hour the minute we don't have oxygen. That's how bad they are. From priests and police to school children, no one in the country is off limits. Every single day, they kidnap at least 20 to 25 people in Haiti. Every single day. Every single day, they kidnap you. Alors, amis, un jour, pratiquement chaque jour, yo kidnappé 20 à 25 moun, ça c'est yon nan moun qui t'a manifesté nan Florida, jounen jodi ya. Donc, kounya la, semblé, même moun kap pote aide en Haïti, pas off limit, selon sa, journaliste NBC ya. Donc, fait nous connaît. Though by one study, kidnappings have jumped 300% in 3 months. Dr. Richard Frechette, who runs a hospital in Port-au-Prince, telling us by phone he has to negotiate with gangs to get oxygen for COVID patients inside. Sometimes we have real hair-raising days, facing shortages. You can imagine, if we have 65 patients, 40 will be dead in an hour the minute we don't have oxygen. That's how bad they are. From priests and police to school children, no one in the country is off limits. Every single day, they kidnap at least 20 to 25 people in Haiti. Every single day. Every single day, they kidnap you. Your family doesn't have no money. What they do, they kill you. We have reached out to the office of Haiti's justice minister. So far, have not been able to independently confirm that information, but he does tell the Wall Street Journal he is concerned that any ransom money would go to more guns and more ammunition. En tout cas, si c'est pour nous, même en Haïti, semble Jésus mettre fait effort de ta vie, ni. Parce que là, bah quoi nous capre rita, non? Non, bah quoi nous capre rita. Si c'est pour nous même en Haïti pour que Jésus dit m'a organisé le vivre pour nous mais est-ce que tant pour l'autre pays au Canada qu'attend mais nous même en Haïti semblé nous pas monde qui capable tant parce que dans mode réalité nous y est là réalité a extrêmement compliqué réalité a extrêmement difficile malheureusement. Alors, vous avez dit Fernando, et moi, Laurent Lamotte, tout souci, et nous devons dire, oh, Laurent Lamotte, oui, mettez-le ça. Oui, oui, vous avez dit, oui, Laurent Lamotte, depuis que tu as dit, le tour de yo. Alors, dans la sécurité, non, oui. Alors, oubliez dit, c'est le régime, il y a tout qui, c'est sous le régime, il y a tout ça. Et après, Laurent, oui. Absolument, Laurent Lamotte, sous texte ça. Oui, je ne vais pas faire un bon live, ça, yo. Next, ça, yo. Je vais chercher mes débuts dans le problème, tout dire, oui. Oui. À la causée, à la traca. Et autorité haïtienne, yo papa, y a des mêlés maillots. Parce que m'baoué semblé soubit, moun qui soubit des mêlés maillots. Parce que là, yo sûrement soit pas comprenne, soit pas tendé, soit pas forcément gain bon sens tout. De toute les manières, m'espéré ya qu'on est que ça va discuter à la et. Il concerne yo, ça va discuter à concerne yo, ça va discuter à sa fait va yo.
Donc, m'espérer à comprendre, m'espérer à connaître que they on notice. Oui, oui. M'espérer à comprendre que they on notice. Donc, il y a un monde qui a veillé, il y a un monde qui a cherché. Et ma amie a écrit que journal, alors journal ma amie a écrit que gouvernement américain pas vraiment grand pile en pile option vrai pour le deal avec violence qui gagne en Haïti. Elle dit pas grand pile option. Ou est-ce que pas en pile parler là, mais pas forcément gagne en pile option. Moi, Marsha Blackburn, par exemple, qui c'est sénateur, et t'as demandé pour moun yo aide le prier. Donc, pour moun que yo kidnappé yo, t'as demandé pour yo aide le prier. Donc, pour moun sa yo que yo kidnappé yo. Et m'espérer que moun yo ap capable retrouver la kayo en paix. Et que Haïti tout a joué notre timo so paix tout. M'espérer tout Haïti a joué un petit mot sur la paix tout. Parce que là, we just can't take it no more. C'est un bon créole, bol nous plein. Oui, un bon créole, bol nous plein. Et nous, juste pas capable encore. Un bon créole. Donc, bol nous plein, nous pas capable encore. Un bon créole, donc bol nous plein. Que nous jouons une solution rapide. Mais cette situation ne peut plus durer. À faire pour absorber dans le pays, pour paix, pour moun bakidnapo, pour ceci, pour cela. Et that's enough. Non, that's enough. Nous bon, that's very enough. Nous pas capable encore, li bon, le bon, et bol nous pas capable plein que ça. Il y a tout monde net pral pa Haïti, l'a pas au douce haïtien, presque gêné, presque honte aux États-Unis. Oh, moun n'a gardo là pas capable, c'est kidnappé et tout. Oui, hein? On va contre ça? Là, on pose une question aux États-Unis, nous dit ça ici, on est là, papa. Son problème n'y est vous, oui? On va te contre ça? Son problème n'y est vous, papa. On va poser une question. Oh, Heidi. Nous n'a dit, on contre ça le dit, on baptise. Depuis mon gado mal, on est ça le dit. Depuis mon gado mal, on est contre ça le dit. Depuis mon jour parole mal, on va pas se comprendre. On est là, oui. Depuis ce coup, ou que tu as dit ça, tu as dit. À la traque. À la honte ça. À la déhonte. Non, vraiment, mon cher. Regardez là, on va continuer pour crier, on va continuer pour rire. Même pas quoi ici, constat seulement que fait des gens ça. Vos amis qui m'ont dit, est-ce qu'il n'y a pas une autre nouvelle? Bon, ouais, pas l'autre nouvelle, même l'autre bon, on m'a dit si pas l'autre nouvelle, ça va pas l'autre nouvelle encore. Non. Pas l'autre nouvelle encore, ça va. Ou que 17 moun, ou kidnappé la kawap, m'a donné $1 million par tête, ou que c'est l'autre nouvelle, non, je pas l'autre nouvelle encore. Ou celle nouvelle la lié. Nouvelle la bas d'il pas toi, ou celle la lié, bas d'il pas toi. Bah, ça, faut le finir, ça va. A faire un nek viré ou kidnappé là. Quand on fait ou kidnappé là, c'est un bail impossible lié. La police Canada tout, eh bien, la travail qu'on y a avec la police pays d'Haïti. Et on a mounio que c'est Canadien. Alors, pas oublier Canada ou obligé protéger, vie privée mounio. Donc, Canada pas forcément bah information sous vie privée mounio. Donc, il y a bah détail sous citoyen canadien. Hein. Parce que pas oublier non, c'est 16 ressortissants américains qui ont ressortissants canadiens. Ben, autorité Canada ou dit ambassade yo sous place. A travail tout avec autorité haïtienne yo pour regarder donc comment yo ka joine ressortissant pa yo qui c'est citoyen canadien ça qui même t'a travail pour même mission ça qui c'est Christian Aid Ministries
les mêmes qui sont mission américaine, mais il y a un monde qui a un passeport canadien qui a travaillé, donc ça intéresse le pays Canada. Il intéresse le pays Haïti, il intéresse n'importe quel monde qui a ressortissant en Haïti, expatrié français, expatrié. Pas les gens qui ont off-limit. Si gang qui a kidnappé américain, nek ki ou men li menm, nek ki sénégalais, bon, vous tremblez, mouche. Parce que gang n'a kidnappé américain, qui ont dû payer américain. Donc si vous pas payer américain, bon, qui vous y a payé? Vous comprenez? Eh bien, gang n'a pas payé américain, ça même. Nek ki sénégalais, parce que gang n'a pas le Sénégal. Est-ce que nek ki sénégalais a pensé gang n'a pas le Sénégal? Bon, gang n'a pas payé États-Unis, ça même. Pour ce Sénégal, vous pensez le Valbe? Nek ki li menm, Martinique, ya. Li pral pense y a paix Martinique, bon pa paix américain pour ces Martinique que tapé. Ay chérie, pa gagne, attendez. Alors si moun vle nous di nou ça, ministère des États-Unis, monsieur gen corona, monsieur testé positif de corona. Nous te vle di nou ça, m'a parlé de Alex Aliando Mayorkas, attendez. Aliando Mayorkas, lui même qui t'est prend vaccin contre coronavirus là déjà, et ben Aliando Mayorkas testé et contre corona. Gonne même qui est Aliando Mayorkas, Aliando Mayorkas c'est lui même qui a dirigé département département qui a fait expulsion yo, département Homeland Security aux États-Unis. C'est-à-dire, l'on a été déporté en Haïti, c'est département monsieur qui voulait déporter yo en Haïti. Donc, m'a parlé de Mayorkas. Donc, Mayorkas testé positif lui-même de coronavirus. Vous avez mis l'autre petite nouvelle douce là, l'autre petite nouvelle et même bon, l'autre petite nouvelle. Donc, Mayorkas testé positif de coronavirus. Et pour Pasteur, par contre, si nous tendez madame Pasteur au kidnappé, m'a parlé de madame Pasteur Ferrer. Pasteur Ferrer assez grand monde. Il va pas encore ça même. Il va pas encore, il bon. Est-ce que nous t'en des messages madame pasteur? Mais madame pasteur Ferrer ça même. Moi c'est madame Jean-Pierre Ferrer Michel. Moi accompagné de petite main Vanessa Michel. Pasteur l'église 18 Center. Yo poko jam la gueule et gain fausse information, fausse rumeur. Information prend la rue, fait qu'on est qu'elle est à la caille. Mais c'est madame la petite qui tape qu'on est avant tout le monde. Donc, s'il vous plaît, son grand monde nié, m'vine dit nous la vérité, le poko la caille, le poko la gueule, depuis 17 jours, li sans médicaments, son grand monde qui presque arrivé dans 80 ans, paraît-il pas qu'elle année, paraît-il 3 années pour ça. Donc, m'vine plaider. Moi, je viens de dire tout le monde qui concerne, là, il y a pasteur, là, il y a marim, remettre mon papa, remettre frère, à famille. Est-ce que vous entendez, madame Firé? Pasteur, il y a trop de judéo. Pasteur, envie à tout le monde. Pasteur, son grand monde, il va avoir un gros question, grand chalet, ça, le bon. Donc, il m'a dit, vous voyez pasteur à police, s'il vous plaît. Vous voyez monsieur Firé en police, s'il vous plaît. Donc c'est madame pasteur avec petite pasteur qui lance appel ça kidnapper yo. Kidnapper ou pas gen kè. Kidnapper ou pas gen nom. Kidnapper ou pas moun. Yo perdu mounité yo. Yo perdu humanité yo. Ou moun ki a pran gomme plastique pour la bouler, pour la blaguer son moun, pour le ka faire moun nan crier, pour famine dans la crier pour le capoter rançon bali. Ou moun ki a touyé on petit on machine pistache. Bon, qui quoi bon machin pistache gagne? Machin pistache, c'est catégorie moun ki pi bof dans pays ya, oui. Qui quoi bon pensez moun ki machin pistache gagne? Pour moun ap tou yon petit machin pistache. L'éternel, pour machin pistache payo. Ou tande pour moun pour jeune fille. Jeune fille a dit, yo pren ni devant ni derrière. Li baka djou combien garçon k passe sou li. Li perdi notion compte a, notion comptabilité al perdil. Dit tout la baille sans les ouvriers aller. C'est notre facteur, ici demoiselle là, t'as pas le défendre, t'as pas le défendre, en même. La défense est un droit sacré. Et ben, dis on parle de ça. Défendre, t'as pas le défendre. C'est pas sérieux ça. En tout cas, pasteur ça, c'est pasteur Jesus Center. Tout bagaille déjà, yo kembeo. Moi c'est madame Jean-Pierre Ferrer Michel. Moi accompagné de petite main Vanessa Michel. Pasteur l'église 18 Center. Yo poko jam la gueule
et gen fausse information, fausse rumeur, information prend la rue, fait qu'on est qu'elle dans la caille. Mais c'est madame la petite qui tape qu'on est avant tout le monde. Donc s'il vous plaît, son grand monde nié, m'vin di nou la vérité pour qu'on la caille, yo pour qu'on la gueule depuis 17 jours. Li sans médicament, son grand monde qui presque arrivé dans 80 ans. Parait-il pas quatre années? Parait-il trois années pour ça? Donc moi viens plaider. Moi viens plaider. Moi viens dire tout le monde qui concerné yo. Lage pasteur. Lage marim. Remettre ti moun yo papa yo, remettre frère à famille parce que nous fait toute bagaille déjà. Yo kembe yo, faut que yo lage yo. Nous fait tout ça pour nous défait. Merci beaucoup. Moi remercie nous d'avance. Tout. Li parlo là oui. Grand monde n'a parlé nous là, m'pa konn si ça n'a rap nous tande Wilbert de Rispe. Yo fait ça pour yo te fait déjà. Yo fait ça pour yo te fait déjà. Est-ce qu'on tande Wilbert de Rispe? Wilbert de Rispe, grand monde n'a parlo là. Li djou yo fait ça pour yo te fait déjà. Ça pour yo te fait, yo fait déjà. Yo fait déjà zanmam. Ça pour yo te fait, yo fait déjà. Donc permettre yo lagué papa ti moun yo. Parce que même yo fait ça pour yo te fait déjà. Yo dit ça pour yo te dit déjà. C'est-à-dire pas gen mot pour yo dire quoi ça pour yo te dit yo dit. That's it. Tout grand moun yo, that's all for today. Yo fait déjà, yo dit ça pour yo te dit déjà. Donc lagué papa ti moun yo. Pas faire retard avec papa ti moun yo, yo fait ça déjà. Lagué papa ti moun yo, yo fait ça pour yo te faire. Quand les moun parler, les grand moun parler. Ou puis on est de 80 ans. Monsieur, nous pas gen papa. Nous sommes bonnes sans famille. Nous sommes bonnes sans famille. Monsieur, on a 20 ans ici. Pour nous, nous avons grand monde pendant tout le jour. Nous avons 20 ans. C'est pas un monde qui vive. Santé. Mais vous avez déjà blodé. Et puis, quand vous avez comme l'éternel, vous avez un monde qui comme l'éternel. Dans le pays, il y a un gang qui grand. Il y a un gang qui est millionnaire. Depuis qu'il a un business en Haïti, il va fonctionner bien. Parlez. Après business kidnapping, qui l'autre business tourne à fonctionner en Haïti après business kidnapping? Après kidnapping, qui l'autre business nous connaît qui fonctionne en Haïti? Mais pas un business qui fonctionne en Haïti après kidnapping. C'est kidnapping qui fonctionne. En yon, qui va fonctionner en même. 2018, commence une manifestation en pile en pile. 2019, là, c'est pays lock tout seul. 2020, pays lock net. 2021, bon, nous avons 2021, dans janvier, nous avons le babou pour nous. Nous en Haïti, en pile moun fou sa nou bakone, oui. C'est ça man Dadias qui écrit en Haïti, mes amis. Faut ta faire une évaluation psychiatrique pour nous. En pile là nous fou. En pile là nous n'a parlé, nous perdit bon sens, nous perdit bon âme, nous. En pile là nous perdit bon ange, nous. En pile là nous déconnecté. Nous déconnecté, zanmam. En pile là nous déconnecté avec réalité qui gen yo. En pile là nous déconnecté avec réalité qui gagne yo. Et nous vivre. Nous chiss en vivre. Nous seul si baï nous mande. Nous envie vivre. Nous voulons vivre. C'est vivre nous envie vivre. Mais permettre nous vivre. Nous pas manger petit monde, nous pas tuer petit monde. Quitter nous font si vivre. Non, yo pas quitter nous vivre. Non, yo pas monde pour ça, yo pas quitter nous vivre. C'est méchant yo yé. C'est criminel yo yé. Les criminels assoiffés de sang. On a demandé un million de dollars à tête moun. C'est-à-dire l'amour sans jour décide lui même faut le millionnaire et la millionnaire en 17 fois occasion et c'est sous tête moun pour le millionnaire. En tout cas l'amour sans jour quoi on va être sans jour tout. Bien qu'on tombe être sans jour tout. My friending. Combien comme l'amour sans jour fait déjà dans kidnapping? Nous pouvons poser une question ça. Combien comme l'amour sans jour fait déjà? Combien comme? Combien comme en tout? Combien en tout? Combien elle gagne déjà? Combien elle gagne déjà? Combien elle baisse encore? Les kidnappés paient déjà. Les kidnappés de vice homme d'affaires dans le pays. Combien elle baisse? Combien elle besoin? Combien elle besoin? Et puis, comme tout, qu'on dit grand moun yo,
Mbakwe la prête pour le juif comme là tout. Mbakwe la prête pour le juif comme là ni pour le vivre comme là tout. Donc mbakone qui intention yo. Mais ou pas prête ni pour le juif comme là ni pour vivre comme là. Et m'bien content tout. Oui, oui. Oui, oui. Moi, je suis bien content que vous n'avez pas prêté pour jouer l'argent. Parce que si vous avez pris pour jouer l'argent, mon cher, il tape trop. Non, il tape trop. Il tape trop, mes amis. Non, il tape trop pour nous. Si nek sa ou pa tap mouri l'éternel, non le tap top pour nous. Aïe. A la traka. A la cause. Jésus a dit un mot pour nous. Par contre, qui le Jésus a dit un mot pour nous? Mais nous besoin. Nous besoin prier. Nous besoin un mot. Nous besoin un prier. Et c'est bon prier, non? C'est pas un bon prier. C'est juste son prier. N'importe si prier, papa. N'importe ça, nous jeunes. Aïe. À la cause. À la traka. Ou bah les kaïté. Qui ça nous fait notre pays? Qui grand monde nous te joué? Qui grand monde nous te joué? Qui ça nous fait même? Qui ça nous fait? Aïe. Jésus. Monsieur, 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 monsieur. Nous chita et puis nous perdons le pays. Et moi ça, oui. Nous chita et puis nous perdons le pays. C'est pas un autre genre de la gueule, non? C'est chita, nous chita et puis nous perdons le pays. Nous chita n'a pas gardé pays. Nous chita et puis n'a pas perdu un pays. Imagine aujourd'hui, il y a une ligue des champions, la Paris Saint-Germain, qui a battu Leipzig, Messi qui a fait belle merveille, Liverpool, Atletico, Dortmund, Ajax, Real Madrid qui a battu Shakhtar Donetsk 5-0. Ça dit tout le peuple content, oui. Fanatique Messi content, fanatique Real content, tout le monde a pris en ou on vient trouver donc on dit chaque côté vire, chaque télévision vire, chaque télévision vire, chaque côté vire en même on kidnapping, on kidnapping, on kidnapping, chaque télévision vire, kidnapping, 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 everywhere you go, kidnapping, this way, kidnapping, those way, kidnapping, over there, kidnapping. Et tout média ou vire, moi mette nouvelle internationale dans la ville, oui. Problème pas mon pile, blodé, pam. Et puis, c'est quand t'es viré, c'est même son Haïti qui tombe dans la colette, moi. Chaque côté me viré, son Haïti qui tombe dans la colette. Chaque côté me passe, papa, son Haïti. Chasse pour moi, papa, moi, t'es fait basket là ou fait. Maman est pour un brick, dans la baille, ça, monsieur. Oh, on a chaque jour mon exchita, monsieur. Chaque jour, on est chita. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Chaque jour, chita, zama. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Où est-ce qu'il a dit, mais qui l'est? N'a je une petite nouvelle. Nous t'a dit, socialement acceptable. Qui n'a je une petite nouvelle qui est socialement acceptable? Oui. Qui n'a je une petite nouvelle socialement acceptable? C'est là nous avons une nouvelle même.